Moi, j'aurais aimé ça écrire les Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Multiples enquêtes avec une espèce de détective illuminé, un peu savant dans tout. Je trouvais ça super original. Puis je trouvais ça plate que l'idée ait déjà été faite, ait déjà été prise. C'est vraiment le livre que j'aurais aimé écrire. Ça s'appelle « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». C'est Joël Dicker, c'est un Suisse. C'est à mi-chemin aussi entre le polar et le roman un peu plus humain. J'ai adoré son écriture. C'est une écriture simple et recherchée à la fois. Ses personnages sont super sympathiques. Je pense que ce serait la part de l'autre. Parce que Éric-Emmanuel Schmitt, dans ce livre-là, a su nous entraîner dans un parallèle entre Hitler qui aurait réussi ses beaux-arts et Hitler qui a échoué aux beaux-arts. Quand tu dis que dans ta vie, parfois, tu as des Y dans la vie de Hitler, je pense qu'Éric-Emmanuel Schmitt a réussi à mettre le doigt sur un Y très important. C'est pour ça qu'il y a plusieurs des œuvres qui m'intéressent comme lectrice qui traitent du thème de l'enfermement, par exemple. J'aime bien l'idée aussi d'après de l'éclatement des frontières qui va pouvoir se produire dans ces œuvres-là. Cette année, il y a eu le roman De synthèse de Caroline George qui est publié chez Alto, dans lequel on suit une jeune femme qui est cloisonnée complètement dans les univers virtuels au point de devenir incapable de sortir et puis de développer une claustrophobie très, très marqué. Et puis, ça va être un événement très humain, c'est-à-dire le décès de sa mère qui va l'amener à faire éclater son enfermement. C'est un ouvrage qui s'appelle « Le rock psychédélique américain » de Philippe Thiard. Philippe Thiard, c'est un journaliste et un libraire français. Alors, ce qu'il a fait, c'est vraiment un inventaire de tous les groupes et de tous les musiciens qui ont enregistré de la musique en commentant chacun des albums avec des photos des albums. Alors, c'est une sorte de petit musée qu'on parcourt. On peut se perdre là-dedans. On peut faire une lecture buissonnière. Et c'est écrit dans un style assez fin aussi, poétique, avec de l'humour. Donc. C'est le livre « Dépareillé ». C'est un album écrit par Marie-Francine Hébert. J'adore sa plume. Et puis, ce titre-là, ça parle dans le fond de l'intimidation, mais tellement d'une belle façon. Là. C'est l'histoire de deux petites filles qui sont très amies. Puis là, il y en a une qui perd toujours ses bas parce qu'elle se promène toujours nu-pied. Puis elle a toujours deux bas pas pareils. C'est pour ça que ça s'appelle « Dépareillé ». Et puis là, dans le fond, il y en a un petit garçon à l'école. Puis là, il se moque de la petite fille qui n'a jamais deux bas pareils. Tu sens tellement l'émotion des gens qui sont mal à l'aise de voir une situation d'injustice, mais qui n'oseront pas faire le pas en avant.